François Furet, vous aviez 18 ans en 1945 et vous apparteniez à une génération qui a souvent choisi l'histoire comme discipline et pour faire ses premières armes intellectuelles. Ça n'était pas forcément la voie la plus évidente. Vous avez fait du droit en même temps que de l'histoire. Vous avez eu tôt un intérêt pour la pensée philosophique. Et pourtant, c'est de l'histoire que vous avez fait. À quoi est-ce que cela correspondait à l'époque? Oui, je me le demande moi-même parce que j'ai, à vrai dire, hésité. Je me suis intéressé très jeune aux lettres, à la philosophie, à l'histoire, aux choses intellectuelles. J'étais un littéraire dans toute l'acception du terme, au lycée. Et en fait, j'ai hésité à la fois à être professeur, parce que j'avais le pressentiment, d'ailleurs vrai, que l'enseignement ne me passionnerait pas. Et j'ai hésité à savoir de quoi je serais professeur. Si bien que j'ai fait une licence de lettres, français, latin, grec, du droit. Et j'ai obliqué au moment du diplôme d'études supérieures en histoire. Et je pensais que c'était la discipline la plus générale. J'avais un peu de crainte à enseigner les lettres parce que j'avais peur de m'y ennuyer. En philosophie, à très franchement parler, je pense que je n'avais pas les dons qu'il fallait pour les sommets de l'abstraction. Et donc l'histoire m'a paru un bon compromis et au fond la discipline la plus générale. Ajoutons peut-être à cela, si vous permettez, que comme j'étais attiré par le marxisme, bon, l'histoire est le domaine par excellence où le marxisme peut constituer un outil d'investigation. Vous avez eu une adolescence et vous êtes entré dans l'âge adulte au milieu d'une scansion de grands événements historiques. Vous avez connu la guerre, vous avez connu la résistance à la fin de la guerre, vous avez connu le monde de l'après-guerre et du communisme dominant, érigé en référence obligatoire. Quel pouvait être le rapport à la fin des années 40 ou au début des années 50, au moment de votre formation, entre l'histoire réelle, celle que vous éprouviez tous les jours, et l'apprentissage d'un métier d'historien qui ne passait pas nécessairement par les mêmes investissements? Moi, j'ai des souvenirs de la libération de la France et de la guerre qui sont des souvenirs mauvais. Je n'ai pas du tout éprouvé, par exemple, et je crois que beaucoup de contemporains sont comme moi, le sentiment d'épanouissement, de libération à la fin de la guerre. La date qui a cassé mon existence d'enfant en deux, c'est 39. Avant 39, on est heureux. Après 39, on entre dans une période de difficulté. En plus, moi, j'ai perdu ma mère pendant la guerre, donc ça assombrit mon adolescence. Mais j'ai des mauvais souvenirs à la fois de la guerre et de l'après-guerre. J'ai participé effectivement dans les derniers mois de la guerre à la guerre dans un maquis du Cher. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Je crois que la période est triste pour le pays et que je l'ai senti sans comprendre tout à fait bien les raisons pour lesquelles c'était si triste, parce qu'au fond la France de la libération, vous n'avez que deux choix, d'être communiste ou d'être gaulliste. Ce sont les deux menus, les deux programmes qui sont offerts au pays. Pour moi, gaulliste, il n'en était pas question, parce que c'était une solution qui était trop à droite. Je viens d'un milieu bourgeois, mais socialisant. Et la solution communiste, elle me plaisait plus, mais j'en étais détourné dans les premières années d'après la guerre, parce qu'à cette époque, les communistes étaient nationalistes, ou faisaient semblant de l'être. Mais enfin, les grands thèmes nationaux et même nationalistes, anti-Bosch, anti-Allemand, châtiment des traîtres, indépendance nationale, c'était des thèmes communistes qui, moi, la libération, ne me plaisait pas du tout. Pas plus que les gaullistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, probablement, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais rejoint le Parti communiste très tard, d'ailleurs à une très mauvaise période. Il n'y en a pas de bonne, vous me direz, en 49. C'est qu'à part... la pire. La pire. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans la guerre froide et nous ne sommes plus du tout dans le schéma nationaliste français.
Si bien que j'ai un souvenir de cette période dans une sorte de tristesse d'être français à cette période, qui correspond à quelque chose de vrai, même vu par un historien aujourd'hui, qui correspond à ce que le vrai drame de la France qui est juin 40, dont nous vivons toujours, était magiquement effacé par les deux familles que je mentionne, les gaullistes et les communistes. Et j'ai eu ce sentiment-là, très profondément, quand j'avais 17-18 ans, que nous étions en train de reconstituer un mensonge collectif. Donc vous avez été tôt désabusé. C'est-à-dire que l'image qui s'attache à vous dans votre maturité, c'est une image que vous revendiquez pour plus tôt. Oui, oui, j'ai toujours été triste, mélancolique. Et vous êtes rentré en quelle année? À quel moment précis vous êtes rentré au parti? Je suis rentré au Parti communiste en février 49, c'est-à-dire, au pire moment, après le Cominform, la rupture avec Tito. Et j'en suis sorti, comme tout le monde, j'allais dire, mon expérience n'a pas d'originalité, en 56. Les fêlures, d'ailleurs, se manifestant avant, dès la mort de Staline, la réconciliation avec Tito, dès 53. Si bien que j'ai ce triste privilège d'avoir été communiste au moment où le communisme était à son pire. Et on y faisait quoi dans le parti en 1950 ou entre 50 et 54? On faisait de la gesticulation révolutionnaire. C'était l'époque de la guerre froide. C'était une époque où le parti n'avait aucune perspective de participation au pouvoir, encore moins de conquête, et le parti menait, si on le regarde d'un point de vue d'historien aujourd'hui, une guerre d'arrière-garde sur les frontières de l'adversaire. Et nous faisions de la gesticulation, d'ailleurs, en mon cas, je faisais de la gesticulation couchée, parce que j'ai passé ces années-là en sanatorium, et en post-cure, mais l'esprit du Parti communiste, c'était l'esprit, vous savez que le communisme a toujours deux phases, une phase révolutionnaire et une phase d'union. Et c'était le retour à la phase révolutionnaire, de gesticulation révolutionnaire. Et c'était donc un communisme extrêmement dogmatique, coupé de la réalité. À vrai dire, je l'ai vécu d'une façon pas tout à fait bête quand même, parce que nous y avons beaucoup appris le marxisme. Et nous étions des marxistes, dans la mesure où le marxisme est une grande doctrine philosophique, des marxistes qui étaient sérieux dans l'analyse des textes. Je me souviens très bien que nos modèles, c'était past and present. C'était les marxistes anglais, qui étaient plus ouverts que nous. Les marxistes italiens, avec Procacci. Et nous aimions dans le marxisme surtout la dialectique. L'ensemble des phases qui fabriquent la ruse de la raison pour aboutir finalement à l'émancipation de l'humanité. Et j'ai connu surtout ça dans le petit groupe d'agrégatifs que nous formions avec le mari de Mona, Richet, Agulon, Besançon, qui s'est constitué. Moi j'étais à cette époque en post-cure et étant encore malade, je ne pouvais pas me présenter à l'agrégation. Et je servais un peu de répétiteur au groupe d'agrégatifs jusqu'à ce que j'ai pu m'y présenter. Je m'y suis présenté qu'en 54. Et c'était un petit groupe qui était construit sur donc, des bases politiques. Nous étions membres du Parti communiste ou sympathisants. On traitait les programmes d'agrégation avec Marx. Et vous étiez aussi un répétiteur idéologique? Non, parce qu'on me donnait des sujets qui était extrêmement loin de l'actualité. Mais je me souviens, par exemple, j'ai retrouvé dans mes papiers récemment un cours que j'ai fait sur Tocqueville, sur l'Ancien Régime, au petit groupe d'agrégatifs que nous étions, qui m'a d'ailleurs consterné, parce que mon explication de Tocqueville était naturellement une explication par l'origine sociale, par l'aristocratisme libéral. C'est une interprétation qui est tout à fait sommaire, et un peu même absurde. Ridicule vu d'aujourd'hui, de ce que je suis aujourd'hui. Mais on traitait tout. On aimait bien, par exemple, le thème des grandes invasions, qu'on a eu une année
à l'agrégation. On aimait beaucoup Lombard, qui était un de nos grandes admirations, parce qu'il avait le sens des grands espaces, des grands équilibres économiques. La monnaie, l'or qui circulait du Soudan jusqu'à la Méditerranée. Ouais, c'est d'ailleurs par là qu'on est un peu entré dans les annales. C'est parce que les annales faisaient une histoire qui nous plaisait plus que la Sorbonne. La Sorbonne, pour nous, à l'époque, c'était le comble du ridicule. On n'y mettait pas les pieds. Sauf chez Emma, où on faisait de l'histoire ancienne, qui nous plaisait, mais on allait chez Pierre Villard, Labrousse, et un peu Brodel. Restons encore un peu dans le parti. Vous adhériez, je veux dire qu'à l'époque, vous avez eu l'impression de coller à quelque chose, ou vous aviez aussi cette distance que vous adhériez. Non, parce que j'ai eu l'impression que, fausse aussi, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait choisir son camp. C'est une chose difficile à imaginer aujourd'hui. L'impression que nous avions, c'est que le monde était vraiment en deux camps, le socialisme et le capitalisme. Il y avait l'Union soviétique et l'Amérique. L'Amérique n'était pas, il faut bien le dire, à cette époque en très grande forme non plus. Il y avait le début du McCarthyisme. Et moi j'ai eu le sentiment très fortement qu'il fallait choisir son camp. Et d'ailleurs, je n'avais pas que des choses... que des certitudes roses à l'égard de l'Union soviétique. Je me souviens avoir lu, par exemple, « Le zéro et l'infini », un livre qui m'a beaucoup impressionné. C'est un livre qui est paru en 1947 en France, je l'ai lu tout de suite, donc avant d'être communiste. Et c'est un livre qui m'a plutôt confirmé. Autrement dit, nous avions une sorte de rationalisation de la nécessité du choix qui faisait que même des choses horribles, comme le montage du procès dans le zéro et l'infini, nous paraissait dans un mouvement de l'histoire. Il y a eu ce sentiment qui est difficile à reconstituer aujourd'hui, la libération de la religion de l'histoire, qu'on trouve dans tous les textes de cette époque. Comme tu sais, il y a mille manières de quitter le Parti communiste, et donc il y a mille variétés de transfuges. Et donc on a un peu envie de te demander à quelle variété tu appartiens. Et moi, ce qui me frappe dans ton itinéraire, c'est au fond la radicalité de la rupture. C'est-à-dire que dès que tu sors de l'engagement communiste ou de l'historiographie marxiste, la rupture est totale. C'est-à-dire que dans les années 60, tu ne cèdes à aucune des fascinations qui se sont exercées sur les intellectuels français, qu'elles soient politiques, tiers-mondistes ou chinoises, ou qu'elle soit intellectuelle, structuraliste, ou linguistique, ou que sais-je. Et donc, ce qu'on a envie de te demander, c'est si, dès ta sortie du parti, tu es vacciné complètement contre l'idée d'une science synthétique de l'homme, et contre, au fond, une prétention totalisante de l'histoire. Oui, sur la sortie, je suis sorti discrètement, parce que... Il faut sortir discrètement du parti, parce qu'à cette époque, en plus, quand on ne sortait pas discrètement, on recevait des pots de chambre sur la tête. Donc, c'était pas très agréable. Mais de toute façon, je pense que c'est une conduite, d'ailleurs, que je me suis imposée longtemps. Je pense qu'il ne faut pas avoir l'air de l'homme qui nourrit un ressentiment particulier, presque personnel, avec son propre passé, ce qui n'a pas été mon cas, parce que d'une certaine manière, j'ai appris quand même beaucoup de choses dans ces années communistes, que je sais en politique, je l'ai appris beaucoup là. Tu veux quand même dire quelque chose sur la date de ton départ ? C'est 56, j'ai quitté en même temps, tu t'en souviens peut-être. Pour quitter le parti, c'est un peu compliqué, parce que c'est un monde, le Parti communiste, généralement, et moi, j'y étais même marié à cette époque. Et il faut tout abandonner, y compris, il vaut mieux déménager, plus avoir de voisins. Et je suis parti en réorganisant d'ailleurs toute mon existence en 56, à la fin de 56. La mécanique était cassée d'ailleurs depuis, nous en parlions souvent, entre 54 et 56. Berlin même avant. Oui, 53 même, oui. Mais en même temps que je m'imposais cette discrétion extérieure, je suis fondamentalement anticommuniste depuis ce temps-là. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était une erreur complète.
Je n'ai pas essayé de ravauder. Et pour moi, ça a été comme une vaccination. Je suis absolument vacciné contre le communisme et tout ce qui peut y ressembler, notamment le révisionnisme communiste, qui est au fond de la même famille et qui ressort pour moi à la même erreur. Si bien que, d'ailleurs, je n'ai plus du tout de fait politique depuis ce temps-là, sauf la guerre d'Algérie. J'ai été tout à fait conscient de la nécessité d'abandonner les colonies pour la France et même l'Algérie. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que j'ai un peu milité pendant la guerre d'Algérie. Ça ne m'a d'ailleurs pas beaucoup valu les faveurs de l'extrême-gauche, parce qu'à la faveur de la guerre d'Algérie, j'ai été amené à entrer en conflit avec les gens qui pensaient que le FLN reconstituait le nouveau bolchevisme et qui étaient partisans d'une aide directe au FLN. C'est une polémique que j'ai menée dans l'Observateur, parce que je suis entré à l'Observateur presque tout de suite après, ce qui m'a donné un milieu, d'ailleurs, où je suis resté très longtemps, de substitut à la politique. L'activité, au fond, militante, je l'ai convertie en activité journalistique, épisodique à l'Observateur. Et ça m'a toujours été agréable. Et je me souviens très bien que, par exemple, à l'Observateur, je l'ai trouvé de ces années-là, 57, 58, 59, je l'ai trouvé trop pro-soviétique. Parce que c'était généralement des sympathisants ou des gens qui avaient une clientèle pro-soviétique. Et je passais leur temps à leur dire, mais non, il faut... C'était encore France Observateur. C'était France Observateur. C'était le vieil Observateur. Ouais. Voilà comment j'ai vécu ça, avec le sentiment intérieur dont je me souviens encore d'une formidable libération. J'ai vécu ça dans l'allégresse, 56-57. Cette ligne anticolonialiste, c'était un choix purement rationnel, un calcul de chance. Une réflexion sur ce qu'il convenait de faire, ou c'était un engagement politique, je veux dire. Est-ce qu'il y restait un peu de l'ancienne passion ? Les deux. C'était à la fois un engagement moral, parce qu'il y avait le problème des tortures en Algérie, de la conduite de l'armée française, et c'était aussi un engagement historique au sens large. Je pensais que la colonisation était plus tenable et qu'il fallait abandonner cela. Mais il n'y avait pas que des gens de gauche, d'ailleurs, qui le pensaient, puisque Aron, avec qui je suis entré en relation, d'ailleurs, à ce moment-là, le pensait aussi. Mais enfin, c'était quand même, en gros, une bataille de gauche. Et d'une certaine manière, la gauche est restée ma famille, bien que je passe ma vie à être en désaccord avec ce qu'elle fait. Il suffit que je vois des gens de droite pour sentir que je suis de gauche, autrement dit. Jusqu'en 62, l'histoire avait encore un sens. Voilà. Donc, l'Algérie, c'est un combat, d'ailleurs, que je ne regrette pas du tout, dans la mesure où j'y ai pris une petite part. Je trouve qu'il fallait le faire. Tu n'as pas répondu sur le plan de la vaccination intellectuelle. Sur le plan de la vaccination intellectuelle, les choses sont un peu plus compliquées que cela, parce que j'ai continué à entretenir à des doses variables l'idée de la détermination historique. Quand je relis ce que j'écrivais à l'époque, je trouve que c'est mêlé. Par exemple, si vous prenez le livre que j'ai écrit avec Richer en 64, la première histoire de la Révolution française, c'est une histoire qui est par rapport à l'histoire marxiste traditionnelle en grand décalage, qui réintroduit des hasards, des exercices de la liberté, mais qui reste encore très largement marxiste, notamment pour la part que j'ai écrite, parce que j'ai souvent dit que c'est ce qu'a écrit Richer qui est le plus original dans cette histoire de la Révolution française, notamment la période 93. Mais si vous relisez les premiers chapitres, qui sont de moi, la Révolution française apparaît ornée comme d'une nécessité historique imparable, dans les vêtements d'ailleurs qu'elle reçoit dans l'historiographie marxiste. Par conséquent, pour moi, ce livre que j'ai écrit avec Richer, que j'ai toujours eu du mal à critiquer clairement parce qu'il était écrit à deux et que c'était très difficile de faire la critique, moi, d'un livre qui ne m'appartenait pas entièrement.
Mais pour la partie qui m'appartient, c'est un livre que je renie largement. Est-ce qu'avant de continuer sur la Révolution, on peut revenir un petit peu en arrière? Comment ça s'organisait votre vie intellectuelle? Là, vous nous avez parlé de votre sortie du communisme, qui avait été en quelque sorte votre éducation politique, et votre entrée, votre sortie de la politique. Mais comment s'organise votre vie intellectuelle pendant cette période? Quels sont vos premiers centres d'intérêt? Quelles sont vos premières publications? Parlez-nous un petit peu de... Écoutez, ma vie intellectuelle, je n'écris pas beaucoup. C'est frappant aussi, c'est une chose qui m'a frappé dans ma vie, c'est que je n'ai pas beaucoup écrit jusqu'à 45 ans. Je suis absolument le contraire d'un précoce. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissaient à cette époque croyaient que je n'écrirais pas. La plupart des gens, quand ils m'ont connu presque au milieu donc de ma vie, pensaient que bon, je disais de temps en temps des choses qui pouvaient être intéressantes, mais que je n'étais pas de la race des gens qui écrivaient des livres. Et c'est vrai que j'ai écrit tous mes livres entre 45 et 65 ans. Donc, tardivement dans l'existence. Moi, j'attribue ça en partie au blocage de ma jeunesse, à ce dont nous parlions tout à l'heure. Je n'avais pas trouvé ma personnalité. Et en plus, il y a une deuxième chose qui compte beaucoup, à laquelle j'ai réfléchi depuis, c'est que les folies politiques de ma jeunesse m'ont empêché de faire de bonnes études. J'ai fait de très bonnes études dans le secondaire, parce que le lycée français est une chose excellente, encore plus à mon époque. Donc, j'étais sortant du secondaire, j'étais vraiment... je savais quand même pas mal de choses. J'ai fait 2 années de CAN qui m'ont aussi été très, très utiles. Et ensuite, j'ai pratiquement pas fait d'études, j'ai étudié Marx, ce qui est une des catastrophes du communisme. Quand je pense que j'ai passé des années couchées, et que pendant ces années, j'ai pas lu Machiavel, Hobbes et Mommsen, et que je lisais l'idéologie allemande, je suis effondré de la mauvaise utilisation de mon temps, et j'ai fait mon rattrapage très largement dans les années dont nous parlons. J'ai beaucoup travaillé, les gens croyaient que je ne travaillais pas, parce que je n'écrivais pas, c'était pas vrai, j'ai toujours beaucoup travaillé. Vous refaisiez votre capital intellectuel. Je refaisais mon capital intellectuel, et j'écrivais... Pour justifier mon salaire, mon existence, c'était l'école des hautes études, où je suis entré dans un petit poste après 2 années de lycée en 56, je crois, Brodel m'a pris à l'école. Je justifiais mon existence par des petits livres qui ne sont pas forcément de mauvais livres, enfin qui ne sont pas des livres auxquels j'attache une grande importance maintenant. J'ai fait un livre avec Daumard sur les structures sociales. À Paris au XVIIIe siècle, j'ai fait un livre avec Bouvier sur le profit industriel au XIXe siècle. C'était des travaux de l'école que je faisais un peu par conscience, parce que j'avais la conscience que n'enseignant plus, il fallait quand même que je témoigne de mon utilité sociale, mais qui n'était pas porté chez moi, comme la plupart de mes livres ultérieurs, par quelque chose qui me portait à écrire. Il n'y avait pas de passion intellectuelle. Comme vous le savez, on écrit facilement que quand on est porté par un sujet et par une passion. Et ça, je l'ai éprouvé tard. Avant que vous jetiez ces petits livres, comme vous dites, au panier, moi, j'aimerais qu'on y revienne. Très bien. Parce que quand vous êtes sorti de la foi de vos études, du parti, et que vous êtes retrouvé dans la vie civile, vous êtes devenu relativement tôt, par le hasard des carrières, un historien professionnel. Brodel vous recrute et vous fait entrer à la 6e section de l'école des hautes études. Et votre modèle de référence à l'époque, ça n'était pas Brodel, et ça ne l'a jamais été, autant que je puisse en juger. C'était Labrousse. Oui. C'est-à-dire quand même une grande machine, à la fois Labrousse personnellement, une grande machine intellectuelle, et puis une grande machine académique, parce que Labrousse a fait travailler, orienter toute une génération, la vôtre et une partie de la génération suivante, leur fixant des projets, des sujets. Alors, pour quelqu'un qui avait rompu avec le marxisme et pour quelqu'un qui était incertain sur sa vocation, qu'est-ce que ça voulait dire, Labrousse ? C'est une très bonne question, parce que c'est un homme à propos duquel je ne me suis jamais exprimé et à propos duquel je n'ai pas de gêne à m'exprimer, mais c'est un homme avec lequel je n'ai jamais pu parler de ce qui m'était arrivé. Parce que c'était un homme, c'était un grand historien, c'était
le grand marxiste de l'université française, c'est pour ça que je l'avais choisi comme professeur, mais c'était un homme politiquement étroit, dont l'univers était formé par l'unité entre le Parti socialiste et le Parti communiste, et qui détestait l'idée qu'on pût en sortir, et plus encore l'idée qu'on pût la critiquer. Or, moi, à partir de 1956, je suis en porte-à-faux avec lui. Et pendant un temps, j'ai continué à aller chez lui, à lui parler de mes travaux, comme si rien ne s'était passé dans ma vie intellectuelle. Et le livre que j'ai fait avec Daumard, c'est, comme vous le savez, c'est l'épave d'un livre beaucoup plus vaste que j'aurais dû écrire sous sa direction, puisque c'était une thèse que j'avais entrepris sous sa direction, dont je me suis aperçu vite que c'était un mauvais sujet, puisque c'était la bourgeoisie parisienne à la fin du XVIIIe siècle, et que c'était un sujet à rendement décroissant. J'ai travaillé 2 ans là-dessus, j'ai vu à peu près comment était construite dans l'assiette de ses fortunes, dans son habitus social, la bourgeoisie parisienne de cette époque. J'ai vérifié l'idée qu'elle était précapitaliste, que c'était une bourgeoisie au sens ancien, bourgeois, d'habitants des villes, avec titulaires de privilèges particuliers. Et qu'elle était d'ailleurs d'autant plus bourgeoise de n'être pas capitaliste qu'elle avait précisément le sens du statut et de la différence, qui est le vrai sens de du bourgeois. Et du coup, ce sont des choses dont je n'ai pas parlé. Chaque fois que je commençais à lui en parler dans son salon de la rue Gay-Lussac, il m'interrompait. Il entrait dans son monde, dans son univers qui n'était plus le mien. Et du coup, ça a toujours été comme ça jusqu'à sa mort. On a gardé des relations affectueuses. Il était toujours affectueux avec moi. Il faisait semblant de me considérer comme l'homme qui n'avait pas écrit ce que j'avais écrit. C'est-à-dire, par exemple, le catéchisme révolutionnaire. Il ne m'en a jamais parlé. Il ne m'en a jamais parlé. Parce qu'il était lié à toute l'école traditionnelle, bien que je ne sais pas exactement ce qu'il en pensait sur le fond. Si bien que j'ai eu avec lui un rapport très affectueux et totalement faux sur le plan intellectuel à partir de 1956-1958. Enfin, la brousse, c'était quand même d'abord l'histoire sociale. Un grand programme, très organisé, très pensé, bien distribué, un empire, oui, identifié à la Sorbonne. Alors, dans cet empire, vous avez eu votre place, qui a probablement été longtemps une place subalterne, parce que vous étiez nouveau, on vous a enrôlé. Mais il y a eu plusieurs entreprises auxquelles, entre la fin des années 50 et la fin des années 60, vous avez été associé. Il n'y a pas d'objet commun, puisque ça peut porter sur les structures sociales parisiennes, sur le mouvement du profit, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la distribution du livre et les capacités de lecture dans la société du XVIIIe siècle. Tout ça est vrai. Il y a une conviction de fond, c'est qu'au fond, le social, c'est l'instance qui explique tout. Par rapport, disons, à la version marxiste dont vous étiez sorti, l'infrastructure, ce n'était plus l'économique, c'était la société. Oui. Oui, c'est vrai, mais je ne la partage qu'à moitié. Si vous lisez, par exemple, la Révolution française que j'ai écrite avec Richet, le social, il y a déjà une importance relativement réduite par rapport aux politiques. Et en ce qui concerne le livre sur les structures sociales, oui, il est fait dans cette problématique. Mais précisément, il est présenté de façon modeste et partielle. Les structures sociales ne sont pas supposées expliquer la Révolution. C'est une sorte de tableau de la bourgeoisie parisienne au milieu du XVIIIe siècle. Et quant au livre, c'est quand même Dupron qui a été l'artisan essentiel. Avec, c'est vous qui l'avez fait. Oui, mais c'est avec Dupron qu'on a fait Livre et Société, beaucoup plus qu'avec Labrousse. Et s'il y a des articles labroussiens dans le livre, c'est parce que moi je suis très éclectique et je n'ai pas d'exclusion à porter, mais disons que je suis sorti de l'orbite de Labrousse et de l'histoire sociale. Ce dont je ne suis pas sorti, c'est probablement de l'idée de la détermination par la société, complètement. Quand vous lisez, par exemple, Livre et Société, il y a dans ce livre quelque chose que je trouve gênant, qui est l'idée qu'au fond, les curiosités culturelles d'une époque
s'explique par des vastes déterminations. Oui, non, c'est ça qui frappe c'est 20 ça. Ans après. Plus que par... oui, alors là, j'accepte tout à fait l'idée que même tardivement, il y a chez moi cette conviction que l'histoire est faite aussi des vastes inerties des sociétés. Mais quel soit le dernier mot, la dernière instance, comme on dit en langage marxiste, par quoi se développe le mouvement historique, non, je ne le crois plus à cette époque. Mais ce qui est frappant quand même, c'est qu'à cette époque, tu accordes aux productions obscures de l'esprit beaucoup d'importance oui. dans Livre et Société, alors qu'après, tu t'intéresses beaucoup plus à l'œuvre singulière ou à oui. l'œuvre éclatante. C'est-à-dire qu'il y a une évolution chez moi qui est tout à fait claire. Aujourd'hui, je m'intéresse essentiellement à l'histoire de la liberté, ce qui me porte vers l'imprévisible, ce qui n'est pas écrit dans le passé, ce qui surgit, ce qui n'a pas de véritable cause au sens où une causalité comporte ce qu'elle produit. Autrement dit, il y a effectivement une évolution chez moi qui est d'ailleurs de plus en plus forte ces dernières années. Je pense de moins en moins que le passé est déterminé ou que l'histoire est prévisible, puisque c'est la même idée dans les deux cas. Et à quel moment dans les années 60, alors, est-ce que vous situez votre rupture avec le déterminisme ? Écoutez, même dans Penser la Révolution, dont nous allons parler, à mon avis, il y a un accent trop prononcé mis sur le caractère immaîtrisable, incontrôlable par les individus de l'événement. J'ai tendance aujourd'hui à attacher plus d'importance à la partie de l'histoire que les contemporains peuvent comprendre par rapport à ce que j'écris dans Penser la Révolution ou dans une verve un petit peu comparable à... Enfin, que j'ai tiré de Michelet, je pense que la révolution comme un torrent politique et idéologique qui passe à travers les individus. C'est une image d'ailleurs que vous trouvez constamment dans la littérature révolutionnaire. C'est vrai et faux. C'est vrai parce que c'est vrai que la Révolution française, par excellence, c'est un événement que personne n'a maîtrisé pendant un siècle. Mais c'est aussi faux dans la mesure où ça ne rend pas justice à l'extraordinaire effort de lucidité qu'ont eu tant de gens pendant que se passaient ces événements pour le comprendre. Votre rupture avec le déterminisme, même si elle n'est que progressive, comme vous venez de nous l'expliquer, est-ce qu'au fond, elle n'est pas déjà accomplie au milieu des années 60 ? En 1967, je crois, vous publiez un article dans Preuve où vous prenez cette question à bras-le-corps. Oui, c'est un article sur le structuralisme et les intellectuels français. Si, le structuralisme, on peut, dans la mesure où ça a constitué un courant vaste de pensée, ce qu'il y a de commun au structuralisme, c'est quand même l'idée qu'il y a une science du comportement humain, une science des sociétés. C'est même une des doctrines, si on peut qualifier le structuralisme de doctrine, qui pousse à l'extrême l'idée que derrière l'apparence, derrière ce qui est manifeste dans l'homme, il y a quelque chose en dessous qui l'exprime. Idée qui était commune à Lévi-Strauss, à Lacan ou à Althusser, qu'on l'explique à travers Marx, à travers Freud. Moi, probablement pour les mêmes raisons que le freudisme m'a jamais beaucoup intéressé, alors qu'il était à la mode de façon extraordinaire à cette époque, le structuralisme m'a toujours paru faux, bien qu'il ait été illustré en France par probablement un des plus grands esprits que nous ayons eu depuis la guerre, qui est Lévi-Strauss. Mais indépendamment de son talent particulier, je crois que l'idée que les sociétés humaines peuvent s'exprimer par une homologie de structure ou qu'on la prenne est une idée fausse parce qu'elle ne prend pas en compte précisément ce qu'a de particulier la société humaine qui est la liberté et que par conséquent je n'ai été sensible ni à Lacan, ni à Althusser, ni à l'anthropologie structuraliste
que j'ai considérées comme des méthodologies extrémistes et inexactes. Et fausses, et je me souviens... J'ai eu des conversations avec Aron à l'époque sur Althusser. Aron n'a pas eu de mal à me convaincre, je l'étais d'avance, mais enfin, il était plus sophistiqué que moi dans la critique d'Althusser. Il en a d'ailleurs fait un petit livre. Et c'est moins ce qui est sorti politiquement d'Althusser, c'est-à-dire le maoïsme, à la fin des années 60, qui m'a dissuadé, que la doctrine même. Je pense que l'idée que le marxisme était une science, à partir du moment où Marx sortait de Hegel, était une idée frisant de ridicule. Restons sur cet article de 67. 67, c'est aussi un moment politique. Il n'y a pas encore de sursaut dans la vie politique française, mais il y a un grand désabusement. Et l'article de preuve, il servait un peu à faire le point sur ce désabusement. On est sur la retombée des guerres de décolonisation, et l'on sait déjà que les expériences coloniales ne tiennent pas les promesses que tous les militants anticolonialistes avaient placées en elles. Bon, le sens de l'histoire déçoit, et donc on décide, ou on accepte, que l'histoire n'a plus un sens aussi évident. Alors, vous expliquiez à l'époque la montée du structuralisme comme une réponse formaliste à cette déception face à l'histoire réelle. Dans votre réflexion à vous, puisque vous prenez vos distances d'emblée avec les structuralistes, quelle est la réponse ? À quoi ? À cette situation de décompression et de désabusement d'après la mobilisation anticolonialiste. Je crois qu'on n'en est pas sorti, qu'on est toujours dans cette crise qui est au fond une crise de l'Europe. Le structuralisme, je crois, dans la mesure où il a pris sa source dans l'anthropologie et dans l'ethnologie, manifestait déjà tentative de refaire un universalisme qui ne soit pas européen, qui ne soit pas européocentrique. Si vous prenez Lévi-Strauss, c'est très intéressant que les Européens, et notamment les ex-marxistes européens, se soient raccrochés à une idée de la détermination humaine purement scientiste, dont les modèles nous étaient offerts par des sociétés très, très archaïques, disons, avec l'ancien vocabulaire, du plateau central du Brésil. Et je crois que c'est un des grands courants du monde où nous avons tous vécu et qui n'est pas terminé, on le voit aujourd'hui en pleine floraison aux États-Unis. C'est une des grandes choses dans lesquelles nous baignons que la décadence de l'Europe, c'est le grand événement de 45, c'est le grand événement de la fin de la guerre, que l'Europe n'existe plus. Et non seulement l'Europe n'existe plus comme centre, comme foyer de la pensée universelle, mais elle paye le prix de sa domination, de la domination coloniale. Nous n'en avons pas fini non plus de payer ce prix-là. Et par conséquent, nous vivons très largement sur une réaction périphérique contre l'Europe. Moi, c'est qu'un peu comme ça que j'explique la mode, indépendamment encore une fois du talent des hommes, que j'explique la mode extraordinaire de l'ethnologie et de l'anthropologie dans les pays européens. Oui. C'est un masochisme européen. On peut, à partir de là, revenir sur ce qui est votre métier, c'est-à-dire l'histoire. Vous dites, j'ai pris des distances fermes avec tout ce qu'il y avait de scientisme dans le mouvement structuraliste. Et en même temps, vous publiez à la fin des années 60... au tournant 70, deux ou trois articles qui sont des articles d'épistémologie de l'histoire. Les principaux que vous y avez écrits, hein, de l'histoire récit à l'histoire problème et le quantitatif en histoire. Oui. Ça doit être 69 et 71, à peu près. Et ces articles ne sont pas scientistes, mais en même temps, ils visent à expliciter de manière qui, moi, j'entrais dans le métier à l'époque, nous paraissait clair pour la première fois, une sorte de codification de la pratique. Alors, vous avez été, peut-être sans illusion, mais un commentateur décidé du quantitatif en histoire.
de l'introduction de méthodes sérielles, et aussi l'un des premiers à en analyser les conséquences sur la construction des objets. Alors, où vous placez ça par rapport à ce refus du scientisme ? Écoutez, je crois que dans les articles que vous citez, je suis toujours en accord avec ces articles-là. Je fais l'équilibre entre ce que ces méthodes ont apporté et ce qu'elles ne permettent pas de comprendre, dans les deux cas. Par exemple, je prends le cas de la démographie historique, qui est un domaine pour lequel moi j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ont fait les démographes français, et notamment les historiens démographes français depuis 30 ans, parce que c'est un des domaines où on voit qu'il y a un vrai progrès historique. Il y a des choses qu'on ne savait pas il y a 50 ans, qu'on sait aujourd'hui. On sait quelle est la démographie européenne, quels sont ces mécanismes de croissance ou de déclin, comment évoluent les taux de naissance et de dénatalité. On voit très bien que dans un domaine comme la démographie, on pourrait prendre l'économie aussi, les méthodes quantitatives ont cet immense avantage de fournir des preuves qui ne sont pas ambiguës. Mais ça, c'est une perspective résolument scientiste. Oui. Des données cumulatives. Alors, qui déplacent ce qu'on sait. Voilà. Mais là où je coupe avec l'argument scientiste, c'est que ces preuves sont au niveau descriptif. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, le taux de natalité français baisse 50 ans avant le taux des natalités européennes à la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est établi par les faits. Mais ce que la science ne peut pas vous dire, c'est pourquoi. Autrement dit, l'argument scientiste consisterait à dire, ça dit aussi pourquoi. Ce que le grand avantage de la méthode quantitative, c'est que ça vous donne une description du fait qui n'est plus ambigu, qui n'est même plus discutable. Vous ne pouvez plus dire, par exemple, que les hautes natalités françaises continuent à la fin du 18e et au début du 19e. Par conséquent, ça pose un problème nouveau. Voilà, le gros avantage que je vois aux méthodes quantitatives, c'est de découvrir des questions. L'inconvénient des méthodes quantitatives, l'inconvénient possible, c'est d'avoir des ambitions plus inatteignables, plus élevées que ce qu'elles peuvent donner, parce que vous ne trouvez pas le sens des comportements. Vous pouvez dire les Français font moins d'enfants à partir de telle période au XVIIIe siècle, mais ça ne vous donne pas la clé du comportement qui doit être cherché, soit selon qu'on accorde plus ou moins d'importance à des facteurs dans les structures de la propriété, dans les comportements mentaux, dans les évolutions économiques, on ne sait pas. Autrement dit, il y a une sorte de joie pure à faire de l'histoire quantitative, parce que le jour où les tableaux sortent, vous avez un paysage qui vous remplit de plaisir, parce que c'est un paysage plein de questions. Mais ces questions-là, vous ne pouvez pas y répondre généralement avec les mêmes moyens. Et donc il y aurait une illusion à penser qu'on peut mathématiser l'histoire. En plus, les mathématiques, c'est un langage extrêmement rigoureux, mais extrêmement pauvre, qui ne prend qu'une variable à la fois, et qui ne traite que des problèmes très limités. On ne pourra jamais traiter, par des voies mathématiques, les problèmes des sociétés humaines. C'est l'infirmité, pour moi, de l'économétrie. Vous avez passé du discours épistémologique aux applications. Dans les années 70, vous avez mené avec Jacques Ozouf une grande enquête. Et les grandes enquêtes, c'était à la mode à l'époque, sur l'alphabétisation des Français entre les 16e, 17e siècles et l'alphabétisation de masse, l'école, Jules Ferry. Alors, c'est un livre qui, à cet égard, reflète bien ce que vous venez de dire. Il y a un énorme appareil statistique appuyé sur des enquêtes nationales et toute une série de monographies locales. Et puis, il y a un premier volume qu'Ozouf et vous avez écrit ensemble et dans lequel cette accumulation, ce capital de données quantitatives sert finalement peu. Il sert à poser des questions et il sert à limiter des réponses plus qu'il n'argumente la démonstration. Oui, c'est vrai, parce que au fond, l'élément choc de l'alphabétisation dans l'histoire de l'Occident, c'est le protestantisme.
et qu'il est très difficile à mesurer, à mettre en rapport avec, on le sait surtout sur des sources secondaires. Et c'est la même chose avec l'autre élément essentiel dans l'histoire de l'alphabétisation, qui est l'institution scolaire, qui est extrêmement difficile à comptabiliser, parce qu'on est en face, par exemple, au XVIIIe siècle, d'un patchwork d'écoles absolument sans unité. Et ce qui, vous dites qu'il y a 10 écoles dans ce canton ou dans ce département, vous ne dites rien, parce que tant que vous ne savez pas quelles écoles c'est, tellement ces écoles sont variables. Les écoles ne sont uniformes en France qu'à la fin du XIXe siècle, ou peut-être un petit peu avant. On peut dire que Guizot en est le premier artisan. Par conséquent, ce livre que j'aime bien, moi, c'est un livre pour qui, non seulement parce que je l'ai écrit avec Jacques Ozouf, mais aussi parce que c'est un livre que j'ai eu grand plaisir à faire. C'est un livre où le matériel quantitatif sert essentiellement à poser des questions. On regarde l'allure de la croissance de l'alphabétisation dans un département donné, on le compare à un autre, et très souvent, les courbes n'indiquent pas du tout quel est l'élément essentiel. En plus, très souvent, ce qui se passe en histoire, comme dans toutes les sciences humaines, c'est que vous avez un mélange de variables qui jouent sur un problème donné et qu'il est quasiment impossible de démêler l'influence de chaque variable. Le problème d'isoler une variable est un des problèmes les plus complexes que je connaisse dans l'analyse de la causalité historique. Mais il y a quand même une conclusion importante de ce livre, alors qui est globale, c'est que la vie politique, les structures politiques de la nation, et par exemple la Révolution française, n'a pratiquement pas de rôle dans la montée de l'alphabétisation. Et ça, c'est quand même une conséquence qui doit être pesée avec toute l'importance qu'elle a. Oui, mais c'est le dernier livre, peut-être, de vous, dans lequel la société est la grande figure. C'est vrai. C'est la demande sociale tout à fait. Qui prime. Simplement, la demande sociale ne se réduit à aucune formule. Elle est éclatée. Tout à fait. Et elle se recompose en permanence pendant 3 siècles. Hein. Tout à fait. C'est un livre d'histoire sociale. Ce n'est pas du tout un livre politique, parce que nous montrons à plusieurs reprises que les différentes grandes lois scolaires qui ont eu lieu en France au XIXe siècle sont très difficiles à lire à travers leurs possibles répercussions dans les courbes d'alphabétisation réelle. Par exemple, dans l'opposition classique chez tous les analystes de la France réelle, de la France moderne, entre la France du Nord-Est, qui est la France riche, développée, et la Bretagne, ou la France du Sud-Ouest, qui est la France pauvre, il est évident que l'analyse des grands indicateurs économiques est beaucoup plus importante que l'analyse des institutions scolaires. Il y a un dernier thème qui circule dans ces textes du tournant des années 60 aux années 70. C'est le passage de ce que vous appelez l'histoire récit à l'histoire problème. C'est pas quelque chose de tout à fait neuf au moment où vous l'explicitez, non. Puisque une partie de la tradition des sciences sociales françaises, je dirais depuis Simian, depuis le début du siècle, s'est développée autour du refus des récits. Le récit est un piège, le récit est trompeur, et il substitue des causalités fausses, rhétoriques, à une vraie analyse. Alors, pour vous qui ne croyez plus à cette date-là, au déterminisme, ni même à des systèmes de causalité simples, qu'est-ce que ça veut dire, l'abandon du récit? Oui, cet article est excessif, d'ailleurs. L'opposition des deux types d'écriture de l'histoire, récit et concept, est excessif dans la mesure où vous pouvez avoir des histoires problèmes qui, au fond, sont peu nourrissantes du point de vue conceptuel, et vous pouvez avoir des histoires narratives qui sont construites sur des problèmes. Par conséquent, je pense que j'ai exagéré. Ce que je voulais dire, essentiellement, je voulais réagir contre la tendance qui, me semble, peuvent avoir beaucoup de jeunes historiens, qui est de ne pas réfléchir assez au sujet d'un livre. Je pense que trouver le sujet d'un livre, c'est la moitié du travail d'un livre. C'est une des choses très difficiles. C'est une des choses les plus difficiles. Moi, j'ai d'ailleurs souffert, dans toute la première partie de ma vie, de ne pas avoir de sujet.
de traiter des sujets que, bon, que je traitais comme un professionnel de la recherche, puisque j'étais payé pour ça, mais je n'avais pas de sujet à moi. Et j'ai mesuré le prix de ce que c'est que d'avoir un sujet. Or, un sujet, c'est une question, c'est une curiosité, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on a envie de comprendre. Et ce que je corrigerai par rapport à l'article que vous citez, c'est que, une fois qu'on a trouvé le sujet, on peut aussi le traiter par le récit. À partir du moment où vous entrez dans un autre type de récit, qui est un récit qui cherche à élaborer une question. Oui, parce que le récit peut-être est aussi une forme de connaissance. Exactement. Il est amélioré par le quantitatif, de plus. Voilà. Donc, je serai sur cet article un petit peu en retrait, si vous voulez, par rapport à ce que j'écrivais. Je trouve que je n'avais pas assez réfléchi, au fond, à ce que l'opposition histoire-récit, histoire-problème, était un peu superficielle. Oui, c'est ce qui restait du volontarisme de l'époque dont on sort. Tu viens de dire que tu n'avais pas de sujet, et pourtant tu avais un domaine, déjà, qui était l'histoire de la Révolution. Alors, ce qu'on a un peu envie de te demander, c'est pourquoi avoir choisi ce domaine à une époque où il était si peu en vogue, parce que c'était quand même le temps où un président de jury d'agrégation, quand il recevait après l'épreuve les candidats euphoriques qui venaient lui parler de leur thèse future, les dissuadait de choisir la décennie révolutionnaire au prétexte que c'était une décennie convulsive, disruptive, très peu intéressante au regard de la longue durée, et qu'on ne n'avait à choisir ce sujet, au fond, que si on n'était pas très futé. Il le disait d'ailleurs de façon beaucoup plus crue que cela. Oui, c'est un sujet qui a survécu à mes naufrages, si j'ose dire, puisque je l'ai effectivement traîné depuis ma jeunesse. J'ai fait mon diplôme d'études supérieures avec la brousse sur la nuit du 4 août, en 52. Et après, j'ai travaillé sur la Révolution française. Je connaissais bien la littérature historique sur la Révolution française. Je l'ai un peu abandonné au début, vers 56. J'ai quand même fait ce livre avec Richet, qui est un livre fait par hasard. C'est un livre qui n'a pas de nécessité intérieure, c'est une commande de librairie. Et Scheler, un jour, nous a dit à Denis Richet et à moi, en nous montrant un livre, est-ce que c'est bien? C'était un livre d'images sur la Révolution, c'était nul. On lui a dit non, c'est très très mauvais. Et il nous a dit, refaites-le. Et on l'a refait, sans travail particulier, avec ce qu'on savait sur l'histoire de la Révolution française, qu'on avait lu toute la littérature secondaire, enfin l'essentiel. Et on l'a fait vite, c'est un livre qu'on a fait en deux étés, je me souviens. On s'était installé dans une maison, on a fait le premier volume dans un été, le deuxième volume de l'autre été. Et donc ce n'était pas, c'est un des livres que j'ai fait sans que j'ai voulu, sans être porté par une nécessité. Et d'ailleurs, on s'amusait en l'écrivant, un peu de provoquer un petit scandale, parce qu'on a très bien vu quand on l'écrivait à quel moment ça allait provoquer des discussions par rapport. Mission accomplie. Là, voilà, mission accomplie. Mais c'est encore une fois, c'est un livre, moi, que je considère dans mon existence intellectuelle comme ne correspondant pas à une reconceptualisation. Et au fond, je n'ai écrit sur la Révolution que quand j'ai été capable de reposer des nouvelles questions. Et ça, c'est Penser la Révolution française, qui était un petit livre, mais important pour moi, parce que c'est un livre sur lequel j'ai travaillé 10 ans. Ou d'ailleurs, j'ai laissé l'échafaudage dans le livre, puisqu'il y a successivement un texte sur Tocqueville que j'ai écrit à Princeton en 68, et que je n'ai publié que plus tard. Il y a l'article sur Cochin, là, que j'avais écrit à Ann Arbor au début des années 70. Il y a la polémique avec l'historiographie marxiste de la Révolution qui est de 71. Et puis, il y a un texte par lequel j'ai réhabillé les essais que je présentais, qui étaient plus anciens,
que j'ai écrit là tardivement, 77, 78, au moment où paraissait lire et écrire. Et là, j'ai eu un vrai sentiment de joie dans ma vie en écrivant la préface à Penser la Révolution. D'abord parce que je trouvais intéressant, et ensuite parce que je possédais mon questionnaire. J'avais refait un questionnaire sur la Révolution française qui me paraissait meilleur, posant plus de questions. Et c'est un livre libérateur pour moi, Penser la Révolution française, bien qu'il ait l'air de fait de pièces et de morceaux, parce que précisément, il repose ce qui, au fond, était le sujet de mon existence intellectuelle. Mais on peut peut-être revenir un peu en arrière quand même sur le livre écrit avec Denis Richet. Tu viens de dire, tu l'as dit déjà à plusieurs reprises, que c'est un livre assez classique dans sa forme. Et cependant, c'est un livre qui fait scandale. À quoi est-ce que tu l'attribues ? Si, ça fait scandale parce que ça recentre la Révolution sur 89. Le centre du scandale est là. Et dans la perspective d'une promotion de la bourgeoisie dans l'histoire occidentale, comme le grand événement massif de la promotion de la bourgeoisie contre l'aristocratie. Et dans cette mesure, c'est 89 qui est effectivement l'essentiel, plus ce qui suit 94, c'est-à-dire les accents du livre sont sur 89. Et puis le directoire, ça c'était aussi très nouveau parce que la période thermidorienne et le directoire étaient généralement maltraités dans l'historiographie classique. Et nous traitons, c'est plutôt Denis qui a fait cette partie-là, mais enfin nous étions tout à fait d'accord sur le schéma, nous traitons le 93 comme un dérapage provisoire par rapport à une ligne de l'histoire. C'est en cela que le livre est encore très déterministe. Il y a une ligne de l'histoire qui mène à la domination bourgeoise. Et nous mettons 93, qui était le centre de l'historiographie marxiste, nous le mettons au contraire en position subordonnée, et comme quelque chose même qui comporte une résurgence de l'archaïque. Ce qui est frappant dans le livre écrit avec Denis Richet, c'est que vous accentuez le schisme 89-93 en distinguant une révolution libérale d'une révolution illibérale. Mmh. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu dises, c'est d'abord pourquoi cette présentation fait scandale, et d'autre part, comment tu as évolué par rapport à cette représentation, parce qu'il me semble que dans tes textes récents, tu as tendance à atténuer ce schisme et à ne plus voir, au fond, de révolution modérée et à mettre en évidence la radicalité de 89, ce qui pose plusieurs questions. Oui, c'est une grande question. Si tu veux, on peut commencer en disant qu'il y a deux questions fondamentales dans toute l'histoire de la Révolution française et dans toute l'historiographie. La première, c'est 89, c'est le surgissement. Et la deuxième, c'est la diversité de ces manifestations, puisqu'elles mêlent à la fois du libéral et de l'illibéral. Donc ces deux questions sont toujours au premier plan de toute interprétation de la Révolution française. Alors, dans le livre qu'on a fait avec Richet, que j'ai fait avec Richet, on rend sa logique, disons, à l'idée de révolution bourgeoise. Si la Révolution française a pour fonction de mettre la bourgeoisie au pouvoir, ce qui avait d'incohérent dans l'historiographie marxiste, c'est que, en disant que la Révolution française avait fondamentalement une essence bourgeoise, il mettait l'accent sur ce qu'il y avait de non-bourgeois à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire 89, ce qui était tout à fait incohérent, puisque l'épisode central de cette révolution était précisément celui qui échappait à sa définition philosophique. Alors qu'avec Richet, on a mis les choses en place, mais à l'intérieur d'une définition qui était la révolution bourgeoise, l'installation de la bourgeoisie au pouvoir. Bourgeoisie au sens plus d'ailleurs politique et social qu'économique, parce que nous ne faisons pas de la révolution l'avènement du capitalisme. Et ce qui a fait scandale, c'est précisément ça. C'est ce déplacement qui est au fond assez confort, qui serait assez conforme à une interprétation marxiste non dogmatique, de dire c'est la révolution de la bourgeoisie et dans ces conditions. C'est l'intervention, la période la plus égalitaire
est la plus marquée par les oligarchies populaires de cette révolution et au fond la moins caractéristique. Et c'est en cela que le concept de dérapage peut s'expliquer, puisque pour déraper, il faut qu'il y ait une ligne droite dont on dérape. Et cette ligne droite, c'était la révolution bourgeoise, et 93, c'était le dérapage. Alors, c'est une idée que moi, je ne partage plus. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui a alimenté beaucoup de mes discussions avec Denis, qui n'était pas d'accord sur tout, mais « Penser la révolution » est écrit dans mon esprit comme une réfutation du livre avec Richet, que je n'ai pas pu dire clairement, puisque nous l'avons écrit à deux. Et dans « Penser la révolution française reprend un caractère beaucoup plus unitaire. Et effectivement, l'opposition entre 89 et 93 est diminuée à l'intérieur du concept « la révolution », comme au fond le surgissement de la politique démocratique dans un pays qui l'ignorait. Et au contraire, la question de 89 est mise au centre. Et un des thèmes de penser la révolution, auquel je tiens beaucoup encore aujourd'hui, c'est précisément qu'il n'y a aucune cause de la révolution qui explique sa grandeur, son caractère torrentiel, son importance, parce que une fois que l'événement a pris chair, a cristallisé, il échappe à toute causalité. Et que même l'idée de cause pour expliquer la Révolution française, j'aimerais mieux parler d'origine. Oui, mais là, tu te retrouves pour bien montrer ce cas de 89. Et le problème le plus important de la Révolution française et de l'historien de la Révolution française, c'est 89. C'est d'interpréter 89. L'autre problème, le rapport de 89 et 93, auquel je crois avoir contribué, me paraît plus simple à comprendre que le surgissement de 89. Oui. D'autant plus qu'en mettant l'accent sur la radicalité de 89, tu accentues la discontinuité du phénomène révolutionnaire et donc l'énigme. Et qui dit discontinuité dit qu'il n'y a pas de cause. Mais avant d'en passer à penser la révolution, qui est tout de même publié 13 ans après ce livre commun avec Denis Richet sur la révolution, ce sujet, la révolution, qui était une commande de librairie, va devenir peu à peu votre sujet à vous. Vous allez vous l'approprier. À quel moment le tournant est pris? Vous publiez 68. En 1971 le catéchisme révolutionnaire, qui est l'article par lequel, avec force, l'article canon, par lequel vous répondez à tous vos détracteurs. Est-ce que c'est cet article qui marque pour vous la rupture, l'appropriation du sujet? Non, la date, je l'ai tout à fait présente à l'esprit parce que je l'ai fait à Princeton. L'année où j'ai passé à l'Institut de Princeton, c'était la 69, j'ai lu Tocqueville. Je l'avais lu déjà, je le connaissais même depuis le lycée. Mais je l'ai lu ligne à ligne, très 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 attentivement, pour faire un long papier qui était dessiné au Mélangeron. Sur l'Ancien Régime. J'ai relu aussi La démocratie, et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que je voulais faire. Et ensuite, il y a eu 71, c'est-à-dire il y a eu une polémique sur le livre qu'on avait fait avec Richet, qui m'a un peu exaspéré, qui venait de l'ensemble de l'Institut de la Révolution française. Mais est-ce que c'est simplement une polémique ou est-ce que dans cette réponse, vous commencez à construire ce qui va devenir votre nouveau système? Non, mais c'est surtout destructif. C'est surtout destructif. Je me souviens, j'étais en colère. Et en plus, il faut quand même s'imaginer, l'atmosphère était assez étouffante. C'est-à-dire, il y avait un dogmatisme régnant sur la Révolution française. On ne pouvait rien dire. On ne pouvait rien dire. Il y avait une sorte presque de police des esprits sur ce sujet-là. Les historiens conservateurs ne faisaient pas leur métier. Ce problème. Je ne sais pas pourquoi, pris par l'atmosphère consensuelle de l'université. Aucun historien conservateur n'a relevé les inconsistances de cette historiographie. Et il y avait une sorte de presque de partage des zones, qui était un partage factuel. On laissait cette chair comme une sorte de conservatoire marxiste à la Sorbonne. Et personne ne disait rien. Et comme moi j'étais protégé, je n'avais aucun risque, j'étais d'ailleurs là, je le dois beaucoup à Brodel, aux gens qui dirigeaient l'école, j'étais à l'abri, je n'avais rien à demander à personne, ma carrière était faite.
Et j'ai décidé de faire un article fort, polémique, au sens il fallait ouvrir l'abcès, avec le soutien des gens des Annales qui m'ont publié cet article dans leur revue. Ça prenait naturellement encore plus de force. Et c'était un article plutôt de destruction au marteau-piqueur qu'un article de finesse où je dis, dans ma première partie, il y a un sentiment ridicule d'identité de la gauche française et de la Révolution française. Ridicule parce que c'est le vieux sentiment, pas du tout ridicule, alors profond, matriciel de la source de ce qu'est la gauche et ce qu'est la civilisation démocratique en France. Il n'y a pas d'autre moyen de la penser qu'à travers la Révolution. Mais la gauche française le pense à travers un intermédiaire qui est le plus improbable, qui est 1917, qui est octobre 17. Et c'est cette concaténation Révolution française 17 que je détruis comme une mythologie. En disant ça, c'est absurde, on ne peut rien comprendre. Il faut se souvenir que cette concaténation, elle n'affectait pas seulement à cette époque la Révolution française, qui était déjà étrange, mais même la Révolution anglaise, qui était lue à travers octobre 17 et la promotion de la bourgeoisie. Et même les révoltes populaires en France. Alors il y a un travail de déblayage. J'ai dit, il faut oublier 17 pour repartir sur la Révolution française et même... à partir de la tradition qui est née de la Révolution française, tradition historiographique, avant 17. C'est comme ça qu'est venue l'idée de réhabiliter le 19e. Dans la deuxième partie du catéchisme, Chauboul venait de publier un livre, ça tombait bien, qui m'offrait une sorte de cible. J'ai montré les incohérences, il me semble, de l'interprétation des causes de la Révolution et de son développement, pas à travers l'histoire sociale, où je traite de l'inexistence d'une bourgeoisie capitaliste, d'une période au contraire de grande prospérité pour la noblesse, de l'erreur qu'il y a à parler de féodalisme dans la France du XVIIIe siècle, du problème des droits féodaux. Enfin, je prends les grands problèmes qui sont considérés comme les origines de la Révolution sociale, de la Révolution française. Et je montre qu'aucun d'entre eux ne suffit et même ne commence à expliquer un phénomène de la force, de la brutalité, de la nature de la Révolution française. Et dans la troisième partie, j'amorce un nouveau type de question à travers la politique et l'idéologie. Est-ce que c'est la somme de ces critiques et de récusations qui a fait que la Révolution est devenue votre sujet à ce moment-là, alors ? Oui, à ce moment-là, il était évident que j'étais mis dans l'obligation d'écrire sur le sujet, parce que, d'ailleurs, les gens me le disaient. Je me souviens, ça m'a été dit plusieurs fois, ici, aux États-Unis. Bon, c'est très bien, c'est vrai, leur histoire ne tient pas, mais qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on construit à la place ? Quelle est la nouvelle problématique ? Comment fait-on ? Et après, j'ai découvert Cochin par hasard. Je ne l'avais jamais lu. Il faut se souvenir que j'ai fait des études, moi, sur la Révolution française, où Burke était cité en note comme un contre-révolutionnaire anglais, où personne ne vous le donnait à lire, où Joseph de Maistre n'existait pas, où l'ensemble du Weigel n'existait pas, où l'ensemble de la tradition interprétative de la Révolution française était effacée. Comme si le marxisme, et ça c'est quand même c'est ce qu'il y a de pire dans le marxisme universitaire, comme si le marxisme dispensait de lire ce qui l'avait précédé, parce qu'il en était la synthèse et la vérité. Et j'ai passé ma vie après à lire l'historiographie de la Révolution française sur le 19e, j'ai même fait beaucoup de cours là-dessus. Donc penser la Révolution, c'est le tournant ? Oui, alors avec Penser la Révolution, je reconstitue un questionnaire qui est encore le mien, c'est-à-dire, enfin, très largement, c'est-à-dire, il y a évidemment, il serait absurde de nier qu'il y a des éléments de conflits sociaux dans la Révolution, ça va de soi, mais que dans sa nature même, la Révolution, c'est dans son fond,
dans ce qu'elle a de plus intéressant, c'est la naissance de la démocratie moderne, c'est le laboratoire de la politique moderne. Si vous voulez, dans la Révolution française, la révolution sociale est accomplie très tôt, et très vite, et très fort, et elle est irréversible, c'est le 4 août. La France est dans une société individualiste, égalitaire depuis le 4 août, et personne, nulle part, à aucun moment, n'est revenu sur cet héritage. La nuit du 4 août a passé la Restauration, la monarchie de Juillet, et a même été comme un dogme de la société française, l'égalité. Et par contre, ce qu'il y a de frappant, c'est que de cette société nouvelle, égalitaire, l'impuissance a formé un corps politique. L'impuissance a formé un corps politique avec lequel nous avons vécu deux siècles jusqu'à aujourd'hui, si tant est que nous y soyons arrivés aujourd'hui. Mais la Révolution, pour moi, sa grandeur extraordinaire, et ce qui en fait un élément absolument presque miraculeux de richesse et de contradiction, c'est qu'elle exhibe en 10 ans toute la panoplie de la politique moderne. Depuis Mirabeau jusqu'à Napoléon, vous traversez. Et ça, c'est une chose très, très difficile à comprendre, comment les Français ont inventé en 10 ans, sur la base de la nuit du 4 août, tant de variétés, tant de richesses, de formes politiques, et aussi, il faut bien le dire, tant de pathologies. Au moment où vous publiez « Penser la Révolution française » en 1978, est-ce que ça n'est pas la période à laquelle vous commencez aussi à réfléchir de concert avec des philosophes qui font la critique du totalitarisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet entrelacement de votre réflexion historique autour de la Révolution et de réflexion philosophique de la critique du totalitarisme? Ce qui est probablement vrai, c'est que l'atmosphère politique française a beaucoup changé dans les années 70. Elle a beaucoup changé notamment par rapport à l'Union soviétique, qui est une sorte de mythologie qui s'effrite complètement. Mais enfin, pour moi, c'était pas nouveau, puisque ça datait du milieu des années 50. Et je ne connais pas les gens qui sont ou mal. Je connais Lefort, que j'admire depuis longtemps, mais nous n'avons pas de rapport. Lefort, c'est quelqu'un que je vois deux fois par an à l'époque. Et c'est au contraire mon livre qui nous met en contact, Claude et moi, et on a depuis d'ailleurs des relations assez étroites et très amicales. Il y a eu plutôt une confluence de ma critique de la Révolution française et de la politique de la Révolution française et de la réflexion sur le totalitarisme qu'une influence réciproque pendant que j'écrivais mon livre sur la Révolution française. Mais c'est vrai que dans ces années-là, c'est d'ailleurs vous en êtes aussi, c'est le moment où on commence ici, dans ces lieux, aux hautes études, à refaire des petits séminaires sur le politique, sur l'histoire du politique, sur la manière dont on pourrait repenser la démocratie moderne. Une des choses, si vous voulez, très frappantes, c'est que la réflexion sur la démocratie moderne, depuis 1945, elle est très largement inexistante dans les milieux intellectuels français. À part des éléments de type, enfin autour de Raymond Aron, mais dans l'ensemble, elle n'est pas au centre de la réflexion. Ce qui se passe dans les années 70, à travers ce que j'écris, mais à travers ce qu'écrivent d'autres aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le socialisme s'affaiblit, et qu'on s'aperçoit que loin que le socialisme soit la suite de la démocratie, c'est la démocratie qui est l'avenir du socialisme, la réflexion sur la démocratie devient centrale dans la politique et dans la réflexion politique contemporaine. Et je crois que, je ne peux pas dire que j'ai senti ça, je l'ai accompagné, je l'ai un peu senti intuitivement, ça n'a pas été conscient dans mon esprit à l'époque. Oui, dans Penser la Révolution marque aussi, me semble, une rupture, par le titre même. Penser la Révolution, parce que le titre suggère qu'il y a quelque chose de difficile à penser dans la Révolution, que ce n'est pas un objet immédiatement pensable, qu'il y a une résistance. Et là, il me semble que rien que par ce titre, tu t'inscris en faux contre une historiographie, disons, dominante ou traditionnelle, qui voit dans la Révolution française un événement qui va de lui-même, et dans l'héritage
culturel de la Révolution, quelque chose qui est un peu comme l'air qu'on respire, oui, qui est, oui, qui est homogène. Et donc, il me semble que tu manifestes là le désir de desserrer les liens un peu domestiques ou émotifs, oui, que les Français ont noués, oui, oui, avec leur Révolution. Tout à fait. Un des éléments que je cherche à apporter, une des choses auxquelles je cherche à faire réfléchir, c'est l'énigme de 1789. C'est une chose avec laquelle les Français vivent en état d'osmose, au point qu'en 81, vous en souvenez tous, on a parlé de l'Ancien Régime à nouveau. Au moment où Mitterrand était élu président de la République, dans une situation de pleine stabilité constitutionnelle. Autrement dit, un des problèmes de l'historien de la Révolution à la fin du XXe siècle, c'était de restaurer l'étrangeté de la Révolution française. Et pas l'étrangeté de 93, l'étrangeté de 89, l'étrangeté de la rupture, l'étrangeté de la discontinuité, qui est par définition presque impossible à penser. Et une des choses auxquelles j'ai contribué, c'est précisément cela, c'est de ranimer la vieille question du 19e siècle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que les Français soient un peuple qui se mette à détester collectivement leur passé? Qui est après tout une expérience historique d'une extrême originalité. Or, cette expérience historique extrêmement originale, les Français non seulement l'avaient fait leur comme une expérience domestique, mais l'avaient ensuite reportée sur 17 et la pensée à travers le prisme de 17. Comme si la Révolution était devenue, au fond, la modalité la plus constante et la plus intelligible du changement historique. Cette nécessité de mettre la Révolution à distance, vous l'avez à l'époque rappelé dans une formule qui vous a valu un succès heureux et malheureux à la fois, en disant que la Révolution française était terminée. Ça voulait dire deux choses que vous avez d'ailleurs explicitées en deux moments successifs. Ça voulait dire qu'il fallait décider que la Révolution française était terminée pour en parler différemment, pour pouvoir prendre cette distance. Et là, vous prouviez le mouvement en marchant. C'était le sens du long texte qui ouvre « Pensée de la Révolution ». Et ça a été le sens de vos livres suivants. Et puis, il y avait un autre diagnostic que vous avez posé 10 ans plus tard, en disant « Nous sommes maintenant à un moment de l'histoire de la société française où cette prise de distance est possible, voire nécessaire ». C'était le thème de la fin de l'exceptionnalité française, le titre d'un livre que vous avez publié, Rosan Vallon et vous, à l'occasion du bicentenaire. Là-dessus, vous êtes probablement trompé, parce que le feu n'est pas éteint, qu'il reprend à tout moment, et que vous-même êtes prêt à le rallumer. Écoutez, je veux d'abord dire une chose, c'est que la Révolution est terminée, ça ne veut pas dire, comme font semblant de le croire un certain nombre de gens qui n'ont pas pour moi une grande sympathie, ça ne veut pas dire que la démocratie est terminée. Ça ne veut pas dire non plus que l'histoire est terminée. Ce sont des idées qui me sont complètement étrangères. Ça ne veut pas dire que le progrès est terminé. Ça veut simplement dire que la modalité de changement auquel les Français étaient tellement habitués qu'ils en avaient fait la modalité privilégiée du changement. C'est-à-dire le changement de la société à partir de l'État. Et la visée de fabriquer un homme nouveau à partir du politique, ces idées, il me semble, sont mortes. Sont mortes à l'époque. Elles sont plus profondes qu'au fond l'idée que les Français sont enfin d'accord sur une constitution 200 ans après la Révolution. Il y a quelque chose de plus profond. Dans l'idée révolutionnaire à la française, si on garde à l'idée de révolution, c'est un terme quand même, un sens relativement précis, parce qu'il ne faut pas l'étendre trop, auquel cas la révolution veut dire n'importe quel changement. Si on garde quelque chose de vraiment spécifique à l'idée de révolution dans ce qu'a fait apparaître la révolution française, je trouve ces deux idées, le changement de la société à partir de l'État, qui y croit aujourd'hui? Personne. La fabrication d'un homme nouveau à partir d'une transformation de la politique, qui y croit? Personne.
Bon, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, et la fin de l'Union soviétique, la chute de l'Union soviétique a été le coup final à cette croyance, et dans cette mesure, c'est dans cette mesure d'ailleurs seulement, que les deux révolutions étaient comparables, parce que pour le reste, elles ne le sont pas du tout. C'est ça que ça veut dire, la révolution est terminée. Sur le plan de savoir si les modalités particulières de la politique française sont maintenant éteintes, par exemple, la croyance qu'il faut que les oppositions politiques sont vraiment des guerres civiles, le caractère central de la religion dans les luttes politiques françaises, les luttes autour de l'école. Je serai plus nuancé, comme toujours, dans la République du Centre, j'ai voulu, de façon un petit peu forte, indiquer qu'il s'était produit des changements extrêmement forts dans les mentalités françaises. Je suis tout prêt à reconnaître qu'à l'intérieur de ces changements particulièrement forts, il y a des éléments anciens qui restent. Ceci dit, je reste profondément persuadé que nous sommes en train de vivre des transformations extrêmement profondes dans les idées que nous avons de la gauche et de la droite, et que, bien que tout soit fait pour les masquer, elles feront leur chemin. Autrement dit, tu penses qu'on est sorti de la logique de l'affrontement, même avec le bicentenaire? Parce que ce que Jacques disait, c'est un peu que l'histoire se charge de réactiver des vieux enjeux, constamment. Oui, mais je crois que les passions démocratiques du XXIe siècle seront très différentes des passions démocratiques du XXe siècle, alors que celles du XXe siècle sont proches de celles du XIXe. Oui, c'est vrai. Simplement, je pense que les deux idées forces que nous avons héritées de la Révolution et dont vous voyez la fin dans les années 70-80, ce sont des idées qui se sont épuisées, mais qui n'ont pas été remplacées. Et qu'au fond, la conformation de notre culture politique n'a pas fondamentalement changé par rapport à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des inerties de la culture politique qui peuvent servir à camoufler des problèmes morts ou à empêcher des problèmes neufs d'être posés. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des rituels, des formes de discours qui se reproduisent tant qu'on n'a pas quelque chose à leur substituer. Ça changera probablement au XXIe siècle, mais ni vous ni moi. Mais regardez, nous vivons quand même dans l'idée des droits. Nous vivons l'idée des droits comme une religion civile. C'est la seule religion civile. Ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. L'idée des droits était considérée il y a encore 20 ans par les marxistes comme un cache-misère. Et par la droite comme quelque chose d'un peu suspect. Aujourd'hui, elle est devenue cette espèce de consensus mou et vague et humanitaire. Oui, mais c'est à partir de là... mais ça change tout. À la manière dont nous abordons l'héritage révolutionnaire. De toute façon, il est clair que de signer la fin de l'utopie révolutionnaire ne signifie pas qu'on entre dans des sociétés du consensus amorphe. Je suis persuadé que... La fin de l'utopie révolutionnaire, il me semble, vous avez insisté sur ce point à plusieurs reprises, ne signifie pas l'abandon du conflit, la fin des affrontements. C'est la fin d'une modalité de l'utopie. Mais nous sommes dans l'entre-deux. Oui, bien sûr. Mais je crois que dans la formule « la révolution est terminée », bon, qui est toujours simple comme toutes les formules bien frappées, il y a quelque chose de profondément vrai. Il y a quelque chose de profondément vrai sur la mutation en cours. Et d'ailleurs, je n'explique pas que le succès que cette formule a eu en 89, au moment du bicentenaire, s'il n'y avait pas eu une sorte de consentement de l'opinion. Entre « Penser la Révolution française » et votre troisième livre sur la Révolution, celui que vous publiez en 1989 pour le bicentenaire, il y a un changement d'inscription dans la durée de votre appréhension de la Révolution. Jusqu'en 1970, de façon très classique, vous situez la Révolution comme la conclusion d'un XVIIIe siècle qui en est la cause évidente et manifeste. Et comme beaucoup d'historiens, à ce moment-là, pour vous, faire l'histoire de la Révolution française, c'est d'abord faire l'histoire de ce XVIIIe siècle, clos nécessairement, en quelque sorte, par la Révolution. Dans la nouvelle histoire, la troisième que vous écrivez de la Révolution, en 1989,
votre inscription est tout à fait différente. Vous commencez brutalement, si je puis dire, par 1789. La révolution est un fait de départ, un fait qui est aussi, vous y insistez, une énigme. Mais cette histoire, elle s'étire en amont sur tout le 19e siècle. Alors, comment expliquez-vous cette nouvelle saisie dans le temps de votre appréhension de la Révolution? Il y a une partie purement circonstancielle. Je ne voulais pas refaire le même livre que j'avais déjà écrit. Mais en même temps, il y a une partie plus profonde où, comme vous l'avez bien senti, je pense que le problème des causes de la Révolution est généralement mal posé, parce que la Révolution a des origines, mais il y a quelque chose dans sa cristallisation qui est un surgissement du neuf et qui est lui-même porteur alors d'un torrent qui s'étend très longtemps sur la vie politique française. Et pour substituer un mystère à un autre, le mystère de la politique française jusqu'à Jules Ferry, peut-être plus, peut-être jusqu'au XXe siècle, c'est le recommencement de la Révolution française. C'est l'incapacité de la fermer. La France est le seul pays au monde qui ait ce type d'expérience politique, d'un événement qui recommence, et qui recommence toujours en son nom. Parce que les gens du XIXe siècle, quand ils font la Révolution au nom de la Révolution française. Quand le deuxième Bonaparte prend le pouvoir, il prend le pouvoir au nom du premier Bonaparte. Quand la Troisième République se fonde, elle se fonde au nom de la Deuxième et de la Première. Autrement dit, vous avez une tyrannie de l'événement révolutionnaire sur ce qui le suit, dont j'ai voulu faire l'histoire. Contrairement à beaucoup de commentaires sur ce livre, je n'ai pas du tout voulu écrire une histoire du XIXe siècle. C'est absurde. J'ai voulu écrire une histoire de la Révolution française au XIXe siècle. C'est un sujet très différent. Le thème du livre, le sujet du livre, c'est l'objet Révolution française pendant 100 ans. Comment il se métamorphose, continue. Et je l'ai pris au niveau des élites, parce que c'est là qu'il est le plus visible, et au niveau des hommes les plus intelligents de l'époque, parce que c'est eux qui comprennent le mieux ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir autrement. Je l'ai pris par choix, au niveau des élites politiques, et en plus, c'est une chose que je n'avais jamais faite. Et effectivement, le problème de la Révolution française, c'est que sa radicalité est telle, c'est un événement d'une telle force dans le corps politique français, qui est pourtant une vieille nation, pleine d'inertie et d'homogénéité sociale. L'événement est d'une telle force, à tous les niveaux, au niveau social, au niveau politique, au niveau religieux, qu'il brise le tissu social et politique français pendant 100 ou 200 ans. Et c'est ce problème-là que j'ai voulu étudier. Si vous prenez les grands auteurs du 19e siècle, c'est très intéressant parce qu'ils font presque tous de la politique. Beaucoup écrivent des histoires de la Révolution. Et autrement dit, ils ont un sens de la proximité, de l'identité de l'événement constamment. Vous prenez Guizot, vous prenez Rémusat, vous prenez Tocqueville, vous prenez Michelet, vous prenez Quinet, vous prenez Lamartine, vous prenez Hugo. Ils ont tous écrit des histoires de la Révolution. Et ils sont tous dans la politique française, dans les régimes successifs, et ils sont tous en train d'amadouer le monstre révolutionnaire. C'est justement ce qui est frappant, même dans votre activité d'enseignant, puisque toutes les années 80, vos séminaires ne sont pas consacrés à la période révolutionnaire proprement dite, mais à tous ceux qui ont essayé de comprendre et d'interpréter la Révolution voilà. Au XIXe siècle. Ouais. Les sujets de vos séminaires, c'est Tocqueville, Guizot, Rémusat, Chateaubriand, Lamartine, Michelet. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose d'autre, il me semble, qui a bougé depuis Penser la Révolution jusqu'à tes textes les plus récents. Parce que dans Penser la Révolution, ce que tu souhaites faire, c'est te dégager d'une fidélité par rapport au vécu des acteurs. Et en revanche, dans tes textes récents, tu es amené à dire, à augmenter la part de l'explicite. Oui. Et à dire qu'il faut prêter une grande attention aux discours et aux intentions des acteurs. Je crois même que tu as écrit que la Révolution française est la période de notre histoire où on peut le moins faire abstraction de la pensée et des intentions des acteurs. Alors au fond, dans Penser la Révolution, les hommes font l'histoire
et ne savent pas qu'ils la font. Est-ce que tu dirais maintenant que les hommes savent l'histoire qu'ils font ? Pas tout à fait, c'est un mélange. Alors, dans Penser la Révolution, effectivement, j'exagère peut-être, mais je saisis un phénomène que quand même beaucoup d'historiens ont noté, qui est quand même très vrai, c'est l'idée que la Révolution passe à travers les hommes, qu'ils sont ballottés dans cet événement que personne ne contrôle. Il y a pourtant des hommes qui sont d'assez grands hommes, Mirabeau, Barnave, tous ces gens-là ne sont pas des... Ce ne sont pas des gens nuls. L'Assemblée constituante, la Convention sont des assemblées brillantes. Le directoire est plein de gens brillants. Et pourtant, ce sont des gens dont la maîtrise sur l'événement est très faible. Alors là, il y a un problème de traversée d'un événement torrentiel par les hommes. Alors, au XIXe siècle, le torrent s'est quand même adouci. Le contrôle de la société sur cet événement massif est plus grand. Les gens l'élaborent et le comprennent. Pour moi, c'est Tocqueville le plus génial dans la série des hommes du XIXe siècle qui essaient de conceptualiser la Révolution, mais il y en a d'autres. Mais ils ne le maîtrisent pas non plus. Le dernier, celui qui réussit le mieux, c'est Jules Ferry, avec la Troisième République, mais on ne sait jamais s'il réussit le mieux parce qu'il est plus loin. Parce que l'événement s'est amorti, c'est passé 100 ans, ou c'est parce qu'il a la qualité de sa synthèse est meilleure que celle de Louis-Philippe. Mais je crois que dans l'histoire du XIXe siècle français, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Encore une fois, je n'ai pas voulu du tout faire dire ou laisser dire que l'histoire de la classe ouvrière, de la bourgeoisie, des paysans n'était pas intéressante. Simplement, ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est comment la Révolution française travaille dans la politique française, de façon incessante, constante, inarrêtable. Et mon idée, vous l'avez tous senti, c'est que nous sommes au bout, qu'on arrive au bout maintenant, seulement. Bon, on touche à un troisième point qui est déjà présent dans tout ce que vous venez de dire, et qui, au fond, dessine votre place aujourd'hui. C'est la pensée du politique. Elle court dans votre réflexion, malgré tout, depuis 20 ans, 25 ans. Elle s'est essentiellement centrée sur la Révolution, mais pas seulement. Il y a, par exemple, une clé mineure dans votre œuvre, mais qui est suggestive. Il y a quelques articles consacrés au destin juif, dont vous n'êtes pas un spécialiste et ne prétendez pas l'être, mais qui vous a intrigué comme, me semble-t-il, une aventure qui ne peut pas se résoudre des schémas de lecture qui étaient les schémas accoutumés dans la profession. Vous terminez un livre sur l'expérience et la sortie du communisme, qui est un troisième terrain sur lequel vous avez réfléchi. Vous avez été, dans ces mêmes années, un créateur d'institutions, puisque, avec Mona, vous avez rassemblé un certain nombre de chercheurs autour d'une réflexion sur le politique. Alors, ce serait peut-être bien de terminer en concluant sur quels sont les éléments centraux pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire ces livres faits en attendant d'autres. Quels sont les points centraux sur lesquels la reconceptualisation du politique se fait, à la fois de l'intérieur, mais aussi par rapport à l'histoire et par rapport aux sciences sociales qui sont le monde dont vous venez. Oui. Sur les Juifs, c'est vrai que ça m'a toujours intrigué, mais c'est un sujet tellement vaste, il faut savoir des langues que j'ignore pour être bon dans ce domaine, que je ne l'ai pas abordé. C'est simplement d'un mot, ce qui m'intrigue, c'est toujours... c'est la dernière manifestation du destin juif, c'est Israël. Israël, c'est une chose qui n'a cessé de me poser des questions, parce que c'est une solution invraisemblable. D'abord, même par rapport au destin juif, on peut se poser la question du rapport entre le peuple juif et une nation moderne de type 19e siècle. Est-ce qu'une nation moderne, c'est pas d'une certaine manière, comme Friedman le disait dans un livre, une fin du peuple juif? Quel est le rapport entre cette histoire mystérieuse de la promesse d'un peuple élu et d'une nation finalement qui retombe, enfin qui se retrouve une nation comparable aux autres,
faites des mêmes éléments. Je me souviens d'un mot de Gershom Scholem, « Est-ce que nous avons fait Israël pour faire le Bronx en Palestine ?» Alors ça, c'est une première série d'interrogations. La seconde, c'est qu'Israël était l'État le plus invraisemblable. Vous auriez fait faire des paris au début du siècle à des jeunes juifs ou non-juifs sur qu'est-ce qui était le plus vraisemblable, l'assimilation, la solution socialiste du problème juif ou la réinstallation des juifs en Palestine. Tout le monde aurait dit que c'était les deux solutions, les deux premières, qui avaient les chances de réussir, que la dernière n'en avait pas. Alors le XXe siècle s'est manifesté par la renaissance des juifs sous la forme nationale, une forme nationale qui n'est inséparablement religieuse, parce que la seule raison qu'ont les juifs d'être en Israël, c'est quand même la Bible. Et un texte religieux, ce qui fait que la nation juive, tout en étant comparable aux autres nations, et dans ce sens tendant à éteindre le destin juif, est en même temps une nation tout à fait exceptionnelle, bizarre, par la part qu'elle fait à l'idée d'élection, à un texte religieux, à une anthropologie particulière. Alors, ce sont des questions immenses, que d'ailleurs je ne saurais pas traiter, mais que je pose, parce qu'elles sont dans la chimie de la politique moderne et du problème national moderne, une expérience extraordinaire. En plus, Israël aujourd'hui, c'est le seul pays où on puisse voir encore qu'il a été choisi par ses citoyens. Enfin, c'est de moins en moins vrai. Mais il y a 20 ans, les premières fois j'y suis allé, ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est que c'est comme si on avait été dans l'Amérique du XVIIIe siècle. Les gens y étaient arrivés parce qu'ils avaient choisi d'y être citoyens. Donc vous aviez une idée nationale délibérée. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Il y avait l'idée volontariste, si vous voulez. Alors sur la politique moderne, bah oui, nous sommes tous maintenant d'accord que l'idée de supprimer le politique comme événementiel, alors que le reste était supposé ne pas l'être, est une idée absurde. Et d'ailleurs, personne ne l'a jamais vraiment dit, mais pour des raisons plus de circonstances que de doctrine, l'histoire politique s'est trouvée un peu déshonorée dans la tradition que nous aimions, vous et moi, parce qu'elle était considérée comme une simple histoire de succession événementielle. Alors aujourd'hui, ce que nous essayons de refaire, avec d'ailleurs les gens qui sont autour de cette table, Mona qui a fait le dictionnaire critique de la Révolution avec moi, ce que nous essayons de refaire, c'est de voir comment on peut penser dans le politique de la société moderne. La société moderne, c'est-à-dire la société libérale, bourgeoise, est une société qui, constitutivement, a un déficit politique, puisque son élément de base, c'est l'individu en face de la nature, c'est l'homme de l'économie. Et nous sommes devant l'énigme du politique dans la société moderne depuis plusieurs siècles. Et elle est plus que jamais visible aujourd'hui, où le communisme s'est effondré, qui était la dernière grande expérience volontariste de la politique moderne, si bien que nous nous retrouvons plus que jamais aujourd'hui dans le monde de l'économie politique, de la prospérité, de l'hédonisme, et avec un déficit politique qui croît chaque jour. Donc nous voudrions réexaminer à la fin du XXe siècle, notamment à la lumière du XXe siècle, qui est quand même marquée par des formidables échecs du volontarisme, que sont le fascisme et le communisme. Comment on peut réinjecter, repenser la part du politique dans les sociétés libérales ?